Lecture de la messe du vendredi 14 juin 2013. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais nous ne sommes pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais on ne nous a pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 115. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont tu brisas les chaînes? Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Mon Dieu, je t'offrirai le sacrifice de louange. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 32. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il disait « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Louange à toi, Seigneur Jésus.